Le long de mes joues se sont mises à couler des larmes. Je n'ai jamais compris pourquoi les dieux m'ont épargné de ce jour noir de notre histoire que j'ai conté. Le vent souffle toujours sur la Bretagne armoricaine. Et j'ai rejoint ma femme, mon fils, c'est mon domaine. J'ai tout reconstruit de mes mains pour en arriver là. Je suis devenu roi de la tribu de Dana. Il s'appelle le Chouvécard à Triomphe, s'il vous plaît, pour eux, merci beaucoup. Pour vous remercier, je peux vous dire que pour le chercheur que je suis, vous voir tous réunis aujourd'hui, ce soir, avec un temps clément, sur une très belle place, même si elle est en travaux aujourd'hui, c'est une immense émotion. C'est vraiment une très très grande émotion de vous voir réunis autour de notre cause. Alors vous savez, en termes de recherche en cancérologie, j'ai souvent l'habitude de dire que la recherche en cancérologie, c'est comme une course de haies. C'est clairement une course. C'est une course contre la montre, parce que Philippe l'a dit tout à l'heure, vous connaissez l'importance du cancer en termes de santé publique. Philippe l'a rappelé, en France, c'est 350 000 nouveaux cas par an. Malheureusement, chaque année, 150 000 personnes décèdent de cancer dans notre pays. Dans le monde, c'est 11 millions de nouveaux cas par an et plus de 7 millions de personnes décèdent chaque année de ces pathologies. C'est un immense problème de santé publique auquel nous devons faire face. Mais comme il l'a dit aussi, donc c'est une course et c'est une course de haies. Pourquoi c'est une course de haies? Parce qu'en fait, on avance et c'est très important de rappeler qu'on avance et on avance vite à l'heure actuelle. Mais on avance en fait en franchissant des étapes et en surmontant des difficultés successives. Comme des obstacles successifs. Ce qui est important surtout de se rappeler, c'est que véritablement on avance. Au début du XXe siècle, on guérissait 8% des cancers. Aujourd'hui, on guérit plus de 50% des patients atteints de cancer. Quand on a dit ça, on voit tout ce qu'on a franchi, tout le chemin qu'on a parcouru. Mais évidemment, en disant ça, on dit aussi tout le chemin qu'il nous reste à parcourir. Et c'est l'immense challenge qui est devant nous de la recherche. On a fait beaucoup. On doit faire beaucoup mieux, on doit aller plus vite. Et en ce sens, on a énormément besoin de votre soutien. Je ne vais pas parler tout de suite, en fait, de ce qui est fait à l'heure actuelle, des avancées à l'heure actuelle, puisque, en fait, j'en reparlerai à la suite de la marche de tout à l'heure. Mais j'aimerais vraiment insister sur l'importance de cette soirée, l'importance de cette marche. Parce que si je vous parlais de course, il y a une grande différence entre la course qu'on va faire ensemble en marchant, entre guillemets, et la course de haies pour la recherche en cancérologie est une course telle qu'on la voit aux Jeux Olympiques en regardant les athlètes. L'immense différence, c'est qu'on ne court jamais tout seul. Philippe, qui est chirurgien, eh bien, il ne travaille pas tout seul. Moi, qui suis chercheur, je ne travaille pas tout seul. Et ce soir, plus que jamais, on a l'impression qu'en fait, nous courons tous ensemble pour cette cause. Tous, que vous soyez patients, que vous soyez proches des patients, famille des patients, que vous soyez là pour soutenir notre cause, que vous soyez chercheur ou médecin, on va courir ensemble, en marchant, mais on va tous participer en fait à cette course. C'est donc pour cela que c'est une grande émotion pour moi. Et puis au-delà de l'émotion pure, il y a évidemment un autre niveau qui est dû à vos dons. Et j'aimerais insister vraiment sur l'importance de vos dons. L'importance de vos dons. Plus de 215 000 euros ce soir. Importance considérable. Je dirige effectivement un centre de recherche qui est composé aujourd'hui de 500 chercheurs. Il faut savoir qu'un centre de recherche comme le nôtre, 50% de son budget de fonctionnement, c'est-à-dire la moitié de ce que nous faisons, provient des dons, provient des manifestations et des associations caritatives. En clair, la moitié de ce que nous le faisons grâce à votre soutien. Si nous n'avions pas votre soutien,
on ferait deux fois moins de choses, on courrait deux fois moins vite pour cette course contre le cancer. C'est en ce sens que je veux vraiment vous remercier énormément. On va puiser de l'énergie ce soir de cette marche pour qu'on court encore plus vite. Et c'est vraiment pour ça que je tiens à vous remercier du fond du cœur. Et je vous souhaite donc une très belle marche ce soir. Et on se retrouvera donc à l'arrivée. Très bonne marche. Merci à tous. Juste pour rajouter un petit mot, un peu plus personnel. J'ai vu un certain nombre de patients, puisque je suis clinicien et effectivement chirurgien, qui ont été directement touchés par la maladie, qui marchent ce soir. Je pense à quelques personnes en particulier, un vieux barbu et d'autres personnes, auxquelles je souhaiterais à titre personnel, et un certain nombre de mes patients propres, vraiment, j'aimerais leur dédier cette marche. Et pour moi, vous marchez tous un peu pour eux aussi, et c'est très important que ça soit dit. Merci. Merci beaucoup, mesdames, messieurs, un applaudissement tout particulier pour, justement, tous ces chercheurs, toutes ces personnes qui travaillent tout au long de l'année et qui essayent de faire avancer. Merci beaucoup, merci à vous tous. On se retrouvera, bien évidemment, tout à l'heure, ici, à la fin de cette marche. On se retrouvera tous les trois, on aura le plaisir de dire le petit mot de la fin. Merci, on va se masser dans un petit instant dans l'heure de départ. Et belle soirée à vous tous. Alors, ça y est, c'est parti pour la marche des Lumières, pour une heure dans les rues de Lyon, avec une énorme pensée pour Emma, pour Guy, qui le cousin à Alain, mon copain du Québec. Et voilà, c'est parti pour plein d'émotions et plein de pensées pour tous ces jeunes qui se battent pour le cancer, pour ces jeunes qui sont partis. Et voilà, bisous à tous. Allez, vas-y. Bah, ça fait un plaisir de t'accompagner, Serge. Ça fait plaisir de se revoir. Puis, on garde l'espoir. C'est clair. Merci à toi d'être venu, ça me fait super plaisir.
Il n'y avait pas de challenge collecteur, mais une volonté forte de réunir des fonds pour aider à lutter contre cette maladie. Les dons recueillis dans le cadre de cette opération sont destinés à soutenir la médecine personnalisée. J'ai toutefois demandé au centre Léon Bérard d'affecter ma collecte spécifiquement à la recherche contre les cancers pédiatriques. Les enfants ont en effet besoin de traitements adaptés et individualisés. Cette cause me tient à cœur et c'est une demande forte que j'adresse au centre Léo Bérard qui cofinance avec les hospices civils de Lyon, l'Institut d'hématologie et d'oncologie pédiatrique où sont soignés les enfants au sein du centre Léon Bérard. Durant le combat de notre garçon, Tom, nous avons rencontré à l'IHOP de nombreux enfants, des bébés, des jeunes, des adolescents, touché par un cancer. Tom nous a quittés à l'âge de 14 ans et d'autres parents connaissent également cette douleur. Des enfants se battent aujourd'hui, en ce moment même, courageusement, ainsi que leurs familles. Certains sont parmi nous. D'autres enfants ont gagné et j'en connais qui sont là ce soir et portent la lumière de l'espoir. Je dis à chaque malade, adulte ou enfant, on est tous avec vous pour vous soutenir. Le combat est rude, parfois inégal. Mais il ne faut rien lâcher et toujours croire en la victoire car tout est possible. La guérison est au bout du tunnel. Sachez aussi profiter à fond de l'instant présent car c'est ce qui vous donne la force et vous aide à avancer. On est de tout cœur avec chacun de vous. Alors je tiens à vous dire, go Nina, je tiens à vous dire, accroche-toi Margot, je tiens à vous dire, vas-y Lulu, et en avant pour tous, car vous allez gagner, j'en suis sûr. Pour conclure, en honneur de ceux qui se sont battus, et pour encourager ceux qui combattent aujourd'hui, je vous propose de leur adresser un tonnerre d'applaudissements. Bien sûr! Merci à vous tous.
Voilà, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, on va conclure sur ce beau moment d'applaudissements. Il est le temps pour moi quand même de remercier tout le monde, la Candelle Harmonie, dans le désordre, le groupe Fjord, les Batoucailleurs, les Mauvaises Graines, Nicolas pour le light painting, Intermarché pour le ravitaillement de la fin de course, et bien évidemment l'ensemble des personnes qui ont participé à la construction de ce bel événement. J'ai été particulièrement ravi de pouvoir l'animer cette année. C'était super, merci beaucoup. Je vous remercie et je garde justement le petit mot de la fin avant de vous libérer pour vous remercier, Monsieur Jacquet, pour votre animation bénévole à nos côtés ce soir. Vraiment, merci beaucoup. Et puis, effectivement, pour toutes les personnes qui ont participé au succès de cet événement, et en particulier Agathe Amadei, je sais voilà, pas... Voilà, je voulais remercier Agathe, elle est quelque part par là. Elle doit pas être bien loin, mais... Et toute l'équipe, voilà. Merci Agathe. Merci aux bénévoles, merci à tout le monde. Et à l'année prochaine, bien évidemment. Merci. À l'année prochaine. Bon, l'objectif, l'année prochaine, on monte. Voilà, les bénévoles, s'il vous plaît, pour la petite photo qui va bien. Merci à vous tous. On va demander à notre photographe s'il veut bien encore appuyer une fois ou deux sur le bouton. Il a l'air d'accord. On va pouvoir faire ça, alors. Tous les bénévoles qui vont venir nous rejoindre. Et puis, bien sûr, toutes les personnes qui sont sur ce podium pour terminer. Merci à vous tous. J'avais un petit souci de micro, c'est pas très grave. Merci beaucoup. Tout marche bien. Voilà, ça va. Philippe, on va dire les choses comme elles sont. C'est une très belle réussite ce soir. Ah, c'est une très belle réussite. On ne peut que remercier tous ces marcheurs de cet élan très solidaire qui fait vraiment plaisir, ça fait chaud au cœur. Je vous assure que quand on est dans le soin, quand on s'occupe des gens, de voir tout cela réuni pour nous soutenir, c'est vraiment un grand plaisir et un grand bonheur. Je voulais bien sûr vous remercier également pour tous vos dons. Merci, j'espère que les choses vont avancer. Comme le disait Alain tout à l'heure, c'est une course, ça nous fait un petit peu accélérer, peut-être pas beaucoup, mais un peu. Et puis surtout, votre élan de générosité vraiment fait chaud au cœur, même si dehors il fait un peu froid. Voilà, vous êtes 700, on va faire un petit truc, vous allez refaire ce que vous avez fait tout à l'heure hein, pour introduire les petits mots du docteur Puiseux. Voilà, levez tous vos magnifiques ballons. Magnifique, superbe. Voilà, docteur Puiseux, vous allez pouvoir dire le petit mot que vous voulez dire avec la liesse qui va bien. C'est à vous. Ah, eh bien, écoutez, un très grand merci. C'est la première fois que ça m'arrive quand même de parler devant une foule avec tant de ballons, tant de bonheur en fait. Donc, moi aussi, je voudrais évidemment tous vous remercier. Vous remercier pour votre présence, pour vous remercier pour votre soutien, vous féliciter pour cette marche. Je voudrais aussi remercier les musiciens, parce que je pense qu'on a tous été très heureux de voir les musiciens qui nous attendaient pendant ce tour, et vraiment les quatre orchestres qui sont venus pour nous accompagner, qui nous ont donné le rythme de la marche. Je voudrais vraiment leur dire un très 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 grand merci. Et puis je voudrais aussi remercier les organisateurs, et en particulier en ce qui concerne le Centre Léon Bérard, Edith Tabet ici qui fait un merveilleux travail. Et puis je vous avais dit que à la fin de la marche, eh bien je reprendrai un peu cette course de haies dont on parlait tout à l'heure. Je voudrais vraiment insister sur le fait, je crois que c'est important de le savoir, de le dire, que la recherche en cancérologie a fait beaucoup de progrès, en particulier au cours de ces 10 dernières années. Des progrès absolument majeurs. Et ce qui est important, c'est que ces progrès, ce n'est pas seulement en fait juste pour la connaissance, ce n'est pas juste pour la curiosité des chercheurs. Ces progrès, ils sont importants parce qu'ils permettent d'avoir des applications cliniques, qu'elles soient diagnostiques ou thérapeutiques, qui sont extrêmement significatives. Alors, je ne vais pas vous faire un cours de biologie du cancer, n'ayez pas peur. Juste pour vous dire qu'il y a deux aspects de la recherche en cancérologie qui ont énormément évolué au cours de ces 10 dernières années. Le premier aspect, c'est qu'on a commencé à véritablement comprendre quels étaient les événements qui étaient impliqués dans la genèse, dans le développement d'un cancer et dans la progression de ce cancer, dans l'évolution de la maladie. Et ça, c'est particulièrement important. Parce qu'à partir du moment où on connaît ces racines du mal, les événements qui sont la cause du cancer, eh bien, ça permet, en caractérisant une tumeur particulière, un cancer particulier chez un patient donné, d'améliorer la qualité du diagnostic. On fait un diagnostic beaucoup plus précis qu'on pouvait le faire encore il y a 5 ans. Et ça permet d'aller plus loin, parce que ça permet de concevoir de nouvelles approches thérapeutiques. Et on peut ainsi conceptualiser des médicaments nouveaux, ce qu'on appelle les thérapeutiques ciblées, qui sont capables
d'agir très directement sur ces racines du mal, en fait, pour couper les racines du mal et afin de développer des médicaments, des approches anticancéreuses qui sont plus spécifiques et qui sont plus efficaces qu'on avait avant. Et ça, c'est pas de la science-fiction, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Et on a maintenant ces nouvelles approches, ces approches de thérapeutique ciblée qui ont permis d'avoir des résultats extrêmement spectaculaires dans des sous-types cancéreux, dans certains types cancéreux pour lesquels on n'avait pas à disposition de thérapeutique efficace il y a encore quelques années. Certains mélanomes métastatiques, certains cancers du sein, certains sous-types de cancers du sein, certains sous-types de cancers du côlon ou des tumeurs plus rares et des tumeurs pédiatriques. Donc c'est vraiment quelque chose de très important. C'est le premier aspect qui a permis de faire évoluer la cancérologie et la prise en charge thérapeutique des patients atteints de cancer au cours de ces dernières années. Et le deuxième aspect qui a énormément évolué, c'est qu'on sait maintenant, on commence à comprendre véritablement quelles sont les interactions au sein d'une tumeur entre les cellules cancéreuses et les autres cellules de l'organisme, et en particulier les cellules du système immunitaire. Parce qu'une cellule cancéreuse, c'est une cellule anormale. Elle a acquis des anomalies. Et du fait qu'elle n'est pas tout à fait normale, elle est reconnue par notre système immunitaire. Et le système immunitaire essaie de tuer ces cellules cancéreuses. Donc si un cancer se développe, c'est qu'à un moment ou à un autre, les cellules cancéreuses ont réussi à échapper au système immunitaire. Eh bien, certains chercheurs, les chercheurs en immunologie, ont permis de caractériser ce qui empêchait ce dialogue, cette reconnaissance des cellules cancéreuses par le système immunitaire. À partir de cette compréhension, là encore, on a conceptualisé de nouveaux médicaments qui permettaient de refaire ce dialogue. Et ainsi, les cellules immunitaires sont réactivées et permettent de détruire les cellules cancéreuses. Là encore, ce n'était pas de la science-fiction. Ça se passe aujourd'hui. C'est ce qu'on appelle les approches d'immunothérapie qui, là encore, ont donné des résultats extrêmement prometteurs, extrêmement spectaculaires dans des tumeurs particulièrement agressives. Donc, on évolue. On passe les haies les unes après les autres. On franchit des obstacles. Maintenant, est-ce qu'on est au dernier obstacle? Est-ce qu'on approche de la ligne d'arrivée? Clairement, on y approche, mais on n'y est pas encore. Il faut savoir le dire, il faut être modeste. On fait progrès, on fait des progrès, haie par haie, mais il nous en reste encore. En particulier parce qu'on comprend maintenant que les cellules, elles sont particulièrement malignes, ces cellules cancéreuses. Et malheureusement, de temps en temps, parfois fréquemment, pour certains types de cancers, même si on a des réponses spectaculaires quand on traite avec ces nouvelles thérapeutiques, eh bien, on a affaire face à des récidives. Et on est en train d'essayer de comprendre comment se font ces récidives pour pouvoir en fait contourner ce qu'on appelle cet échappement, ces mécanismes empruntés par les cellules cancéreuses pour échapper aux thérapeutiques et pour reformer une tumeur. Et là encore, il y a des avancées majeures. Je dois m'arrêter parce que je ne veux pas prendre la parole trop longtemps, mais croyez-moi, on évolue énormément. Et quand on saura contrecarrer ces mécanismes d'adaptabilité des cellules cancéreuses, ce qu'on est en train d'essayer de faire, quand on saura faire ça, je peux vous dire que vraiment, on aura franchi une haie essentielle vers la guérison d'encore plus de patients atteints de cancer. Donc c'est ce que nous faisons en termes de recherche, c'est pour ça que nous avons besoin de votre soutien, et c'est donc pour ça que nous travaillons, c'est pour ça que je vous remercie vraiment du fond du cœur. Merci. Merci, visionnaire. Merci beaucoup. Nous allons maintenant passer...